Mina, là, c'est la livraison. Moi, c'est une commence à prendre. Passe un niveau de c'est bon. Monsieur Diallo, Oui. vous pouvez commencer. Okay. Bon, je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je vois que ça monte. Au total, nous serons combien de personnes dans le webinaire? Allô, vous m'entendez? Allô? Théophile, vous m'entendez? Ok, super. Ok, super. Donc, je disais en fait qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est d'échanger sur ce qu'on appelle la publicité digitale. Donc, pour faire simple, on ne va pas entrer totalement dans le module. Du cours, parce que sinon on va prendre beaucoup de temps et on va pas interagir. Alors que moi, ce que je veux, c'est que nous interagissions, c'est que vous posez des questions au fur et à mesure que j'avance, afin que vous puissiez y répondre. Et on va introduire ce que c'est la publicité digitale. Donc, je vais faire certainement échanger avec vous pendant 30 minutes, peut-être, ou bien 25 minutes. Après, on verra peut-être un exemple. Et je vais un peu partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemblent certaines plateformes d'achat média digital. Et après, le reste, on pourra échanger et je pourrai répondre à des questions au besoin. Donc, je disais, en fait, que la publicité digitale, c'est franchement, le terme peut faire peur ou bien paraître ultra technique, mais c'est juste, en fait, aujourd'hui, la capacité qu'ont les plateformes numériques, que ce soit Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc., de pouvoir en fait booster, amplifier une communication sur la plateforme afin de pouvoir permettre à des marques, des entreprises, des commerces ou bien même des personnalités publiques de toucher beaucoup plus de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes tous des gens qui ont peut-être des comptes sur Facebook ou bien des comptes sur Instagram ou bien des comptes sur YouTube. Tout le contenu que nous consommons sur ces plateformes, on peut dire que c'est du contenu gratuit. Mais en vrai, en fait, souvent on dit quand c'est gratuit, donc nous sommes le produit. Et nous, quel est le produit que nous donnons à ces plateformes? Ce sont nos données, ce sont nos histories de navigation, ce sont nos likes, nos commentaires, nos regards, nos nombres de vues, etc. Tout ça, ce sont des informations qu'on appelle des signaux. Ce sont des signaux que nous donnons à la plateforme. Et lorsque nous donnons ces signaux à la plateforme, et bien, ce qui se passe, c'est que justement, ces plateformes-là utilisent ces signaux pour proposer à des entreprises, à des personnalités publiques, à des marques, la possibilité de faire de la publicité pour pouvoir toucher des personnes comme vous et moi. C'est tout. Donc, la publicité digitale, en résumé, c'est ça. Et avant d'avancer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Mboumar Kar Diallo. Donc, je suis ce qu'on appelle un planning stratégique. Je travaille dans une agence qui s'appelle Agence Caractère et qui gère la communication digitale et 360 degrés, ainsi que les campagnes publicitaires de Kiren, de Pepsi, de Orange, de Free, de Samsung, etc. Donc, on a plusieurs marques aujourd'hui qui sont dans le secteur agroalimentaire, ou bien qui sont dans le secteur des opérateurs de téléphonie, ou bien qui sont dans le secteur de la vente de smartphones, etc. Mais aussi dans le secteur aussi de la cosmétique, comme la marque Mèche d'Arlée. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons avec nos clients, c'est ce qu'aujourd'hui je veux partager avec vous, c'est ce que je vais également vous permettre à vous de pouvoir maîtriser, afin de pouvoir vous aider justement à comprendre ce qu'est cette publicité digitale. Nous allons utiliser des explications très simples pour permettre à tout le monde de comprendre. Nous allons utiliser des analogies, des exemples pour permettre également à tout le monde de pouvoir être dans le bain.
Et juste vous montrer, en fait, aujourd'hui, dans ce module, de manière générale, en fait, c'est... Vous ne m'entendez pas très bien. OK. Vous m'entendez mieux? OK, alors. OK, super. Alors, je disais en fait que en fait, la publicité digitale, c'est une possibilité aujourd'hui. C'est un moyen par lequel plusieurs entreprises donc, arrivent à faire la promotion de leurs produits sur Internet. Et il existe en fait plusieurs façons de faire cette publicité digitale-là. Donc, il y a dans ce qu'on appelle un écosystème, dans cet écosystème, plusieurs en fait plateformes, plusieurs intervenants, plusieurs intermédiaires qui aujourd'hui peuvent vous accompagner et vous guider pour lancer en fait des campagnes de publicité digitale. Par exemple, disons qu'aujourd'hui vous avez, je donne un exemple, vous avez une page Facebook ou bien vous avez une page Instagram et que vous avez justement, vous faites soit vous vendez des beignets ou bien des bières Tékart ou bien vous vendez des jus ou bien vous vendez des voiles, des habits. Comment fonctionne cette plateforme? Lorsque vous créez cette page, vous n'avez pas tout de suite en fait des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites parce que justement vous n'arrivez pas à toucher réellement beaucoup plus de monde. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un objectif de ah mais tiens, je vais lancer mon business, mais je veux quand même en fait toucher plus de personnes sur Facebook. Je veux que plus de personnes voient ce que je vends, ce que je propose, etc. Au fil du temps, Facebook a fait en sorte que les gens qui créent leur page ne touchent pas beaucoup plus de personnes parce qu'en fait, c'est leur business model. Le business model, c'est réduire le nombre de personnes que vous pouvez toucher lorsque vous communiquez sur vos pages afin de vous vendre par derrière de la publicité pour que justement vous touchiez après au nombre de personnes beaucoup plus conséquent. Et c'est pour ça, en fait, il y a des plateformes qui existent comme les gestionnaires de publicité Facebook, comme les gestionnaires de publicité de Google, afin de pouvoir justement vous permettre de pouvoir lancer des campagnes. Mais avant tout, prenons par exemple l'exemple d'une, disons, par exemple, Internet est une ville. D'accord? Et dans cette ville, il y a des bâtiments, il y a des panneaux d'affichage et des personnes. Considérons que dans ces bâtiments, ce sont les sites web que nous avons. Je pense qu'aujourd'hui, vous tous, vous savez c'est quoi un site Internet. Et les panneaux d'affichage qui sont dans cette ville, ce sont les publicités en ligne que vous voyez. Et les personnes qui vivent dans cette ville, ce sont les utilisateurs d'Internet. D'accord? Comment, en fait, expliquer que la personne puisse venir visiter dans ces bâtiments-là grâce à la publicité digitale. Donc, les bâtiments, en fait, ce sont les sites web. Donc, chaque site web est comme un bâtiment. Donc, ce sont les magasins où les gens en fait, vendent des produits ou des services, donc ils font du e-commerce. C'est également, ça peut être aussi des cafés où les gens viennent pour s'informer, pour discuter, pour échanger, tout en mangeant le ping-pong et le café tout bas. Et disons que ce sont les sites d'actualité comme Cineweb ou bien comme Réal, etc. Disons également qu'il y a une autre partie où les gens viennent s'asseoir, échanger, partager leurs idées, etc. Et disons que ça, ce sont les réseaux sociaux. D'accord? Après, vous avez de l'autre côté les panneaux d'affichage en ligne. Donc, les publicités, en fait, sont comme ces panneaux d'affichage dans cette ville. Elles sont placées à des endroits stratégiques. Par exemple, quand tu entres dans la ville, c'est beaucoup connu. Tu vois en fait le panneau d'affichage. Quand tu avances un peu près du rond-point, tu vois un panneau d'affichage, etc. Et disons en fait genre, que ces panneaux d'affichage-là représentent en fait les publicités en ligne dans le monde réel. Et si on veut justement en fait toucher ces personnes-là qui sont dans cette ville en train de marcher, en train de, etc., il est obligé en fait qu'on puisse acheter de l'espace publicitaire, afin de pouvoir en fait permettre aux gens de les amener dans le café, de les amener dans le bâtiment,
ou bien juste en fait de créer des interactions, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens échangent, que les gens fassent des commentaires, que les gens likent nos publications. Après, la troisième, peut-être les troisièmes personnes qui interagissent, ce sont justement toutes ces personnes-là, ces utilisateurs-là, qui sont aujourd'hui des habitants d'Internet. Donc, ce sont des personnes qui se promènent dans la ville, qui visitent différents sites Internet, différents bâtiments, qui vont à différents panneaux d'affichage et interagissent d'autres personnes. Et nous, notre objectif final, donc, lorsqu'on lance une campagne de publicité digitale, lorsque vous allez faire un boost ou bien une campagne sur Google ou bien sur YouTube, etc., c'est de pouvoir toucher. Lorsque les gens aujourd'hui regardent une série, par exemple, sur YouTube comme Déchéance, vous leur proposez votre publicité, votre vidéo YouTube, afin en fait qu'ils puissent voir votre marque, votre produit. Lorsque aujourd'hui la personne se connecte sur Instagram et discute avec ses amis, qu'elle puisse voir dans ses stories Instagram ou bien dans son fil d'actualité Instagram une publicité de vous parlant de votre marque. Lorsque la personne se connecte sur Facebook et échange avec ses amis, parle dans les commentaires, etc., qu'elle puisse voir sur le fil d'actualité une publicité que vous avez. Et c'est ça, en fait, c'est de cette manière-là aujourd'hui que la publicité digitale permet à des marques, à des entreprises comme vous, comme d'autres, de pouvoir justement augmenter leur chiffre d'affaires, pouvoir atteindre leurs objectifs de visibilité, pouvoir avoir plus de vues YouTube, et pouvoir même à des artistes, chanteurs ou rappeurs, de pouvoir justement vendre beaucoup plus d'albums, de CD, de musique, etc. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Super. Maintenant, en fait, vous savez, comme Internet, on peut dire que c'est un grand marché, c'est une grande ville, c'est un grand marché, de la même manière que la publicité digitale, c'est un grand marché. C'est comme le marché de Charoy, en fait. C'est comme le marché de Charoy ou bien le marché de Jaubert. Il y a plusieurs intervenants. Amnenu Jai, Amnenu Jendo, il y a des coxeurs. Et toutes ces personnes-là participent à permettre à votre publicité, à votre campagne, de pouvoir en fait réussir, performer et atteindre des objectifs. Il y a des étudiants qui veulent poser des questions. D'accord, il n'y a pas de souci, posez votre question. Posez votre question dans le chat. Je vois vos messages dans le chat. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut poser maintenant ou bien est-ce que je continue après. Après, je vous donne la parole pour vous poser des questions. C'est bon? Martin? Oui? Donc, les questions, c'est à l'enfant. C'est 10 ans, 15 ans avant. Ok, maintenant, d'accord. Vous pouvez présenter comme ça à la fin. C'est toutes les questions pour apporter des réponses. D'accord. Ça marche, on fait ça. Ok. Donc, parlons de l'écosystème. Donc, de toutes ces personnes-là, Rassou, il n'y a pas de souci. Après, je vais revenir. Après, on aura le temps d'échanger. Je vais revenir dessus. Donc, parlons maintenant de tout cet écosystème. Donc, de toutes ces personnes qui sont dans ce grand marché et qui font, et qui vendent, et qui échangent, et qui jouent les coxeurs. Et qui vendent des panneaux, vendent du display, vendent du shirt, etc. Pour permettre en fait aux gens de comprendre comment en fait l'écosystème de la publicité digitale s'organise. Prenons l'exemple de Jaubert. D'accord? Je pense que beaucoup de personnes connaissent Jaubert. C'est un grand marché. Le son fait défaut. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, j'essaie de... Bon, ça va. Il y a un peu des bruits de fond, mais ça va. Il y a des bruits de fond. Oui. Mais là, je pense que là, c'est parfait. Bon. Peut-être, attendez, je me déplace, peut-être je suis. Attendez, je me déplace. Parce que je suis dans une salle fermée, peut-être c'est pour ça. D'accord.
Je me suis déplacé et j'ai changé d'endroit. J'espère que vous m'entendez beaucoup mieux. Ouais, là, c'est bon. Alors, je disais en fait que lorsqu'on lance une campagne, avant de lancer une campagne publicité digitale, c'est important de comprendre quels sont tous les acteurs qui interviennent dans cette publicité. C'est important, qui permet de pouvoir en fait atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée. Et pour comprendre les acteurs de oui. Là, ça bug un peu. D'accord, attendez, je change de connexion, c'est bizarre. D'accord. Oui. Vous m'entendez, c'est mieux? Ça bug moins? Oui, là, c'est beaucoup mieux, oui. D'accord. Je pense que c'était... Je me suis éloigné de la connexion. D'accord. OK. D'accord. J'ai reçu aussi le message de truc. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais parler strictement français. Abdou. OK. Donc, je disais en fait que pour comprendre les personnes qui sont dans cet écosystème-là et qui permettent à vos publicités de bien fonctionner, on va prendre un exemple sur le marché des Djaoubé. Dans le marché des Djaoubé, ou bien le marché de Tcharoué, ou bien même le marché d'Abidjan ou d'Assining, etc., il y a un ensemble d'acteurs. Donc, il y a des personnes qui achètent, il y a des personnes qui vendent, il y a des coxeurs, il y a des personnes qui vendent l'espace, il y a les personnes à qui l'espace dans lequel le marché se tient. Où cet espace-là. Et toutes ces personnes-là, on peut les représenter aussi dans le digital et surtout lorsqu'on parle de publicité. Prenons un exemple sur les annonceurs. Les annonceurs, ce sont les entreprises. D'accord? Ce sont les entreprises, ce sont les marques, ce sont les personnalités publiques qui achètent et qui, ou bien qui veulent promouvoir leurs produits. Donc, eux, on peut les comparer aux vendeurs de savon qui ont un stand dans le marché et qui veulent attirer les gens vers leur stand. Par exemple, que ce soit Orange, Sonatel, Kiren, ou Casamance 16, ou Jumia, ou même Mamdia et Savon, ou même Mami Cobra, ce sont des personnes aujourd'hui qui sont des annonceurs, donc qui cherchent à ramener les gens vers eux pour leur vendre leurs produits. Prenons l'autre exemple, un autre. Acteurs, les éditeurs, ce sont les propriétaires des sites web. Par exemple, vous avez comme éditeur Sénaweb, Réal, Dakar Actu, etc. Ce sont tous en fait des entreprises, des sites internet qui mettent à la disposition en fait de leur, des personnes qui veulent acheter de la publicité, des annonceurs de leur plateforme. Donc eux, c'est comme les propriétaires des terrains où la foire se tient. Parce que quand une personne vient faire une foire dans son terrain, elle achète, elle loue cet espace-là pour faire sa foire. Donc, eux, on pourrait les considérer comme les éditeurs des sites Internet, que ce soit Sénéweb, Dakar Actu, Réal, ou bien Sénégo, ou bien Dakar Matin. Il y a aussi les utilisateurs. Donc, eux, ce sont les personnes qui visitent les sites Internet. Ce sont les personnes qui visitent les sites Internet ou bien qui utilisent les applications et qui voient les publicités. Donc, eux, c'est comme vous et moi. Ce sont les visiteurs de la foire qui viennent au marché hebdomadaire de jeudi ou bien au marché samedi, qui marchent, qui visitent, est-ce qu'ils peuvent acheter ça, acheter ça, et ce que les entreprises cherchent à attirer. Après, il y a les réseaux publicitaires. Ce sont des plateformes qui font le lien entre les entreprises
les marques, les personnalités publiques qui veulent acheter de la publicité, et les annonceurs, et les éditeurs, c'est-à-dire les personnes qui louent de l'espace publicitaire sur les sites Internet. Donc, eux, c'est quoi leur rôle? Ils aident les annonceurs à trouver de bons espaces publicitaires. Et ils aident les éditeurs à vendre en retour de l'espace publicitaire. Eux, en fait, c'est comme les organisateurs de la foire qui permettent en relation les vendeurs avec les bons emplacements. Par exemple, ils te disent, non, en fait, ton emplacement, si tu le mets sur la porte de la foire, c'est mieux parce que là-bas, quand les gens entrent, automatiquement, ils vont à ton stand. Ou bien ils te disent, non, en fait, il faut le faire entre le vendeur de fruits et le vendeur de Kering. Comme ça, quand la personne va venir pour acheter en fait, des fruits ou du Kering, elle va avoir ton stand. Donc, c'est comme ça, en fait, que les réseaux publicitaires fonctionnent. Après, il y a les agences de publicité. Eux, par contre, ce sont des entreprises qui sont spécialisées et qui aident les annonceurs à créer des publicités efficaces et à planifier leur campagne. Donc, eux, ce sont les consultants ou bien les experts qui vont aider les vendeurs à rendre le stand aussi attrayant que possible. Par exemple, ils vont venir te faire le branding, faire les affiches de ton stand, peinture, etc. Donc, eux, ce sont les agents de publicité. Après, on a ce qu'on appelle des plateformes de données. Les plateformes de données, en fait, eux, leur rôle, c'est qu'ils analysent les données de vous, les utilisateurs, votre âge, votre localisation, votre centre d'intérêt, est-ce que vous aimez du CHEP, ou bien est-ce que vous n'aimez pas le CHEP, est-ce que vous avez vous connecté à 8 heures, est-ce que vous avez vous connecté à 10 heures, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes père célibataire ou bien vous avez deux enfants, etc. Donc, eux, en fait, ils recueillent des données pour pouvoir, en fait, permettre aux entreprises de mieux toucher les personnes et les cibles auxquelles ils veulent adresser de la publicité. Ce sont comme les enquêteurs qui aident à comprendre ce que les visiteurs de la foire aiment et désirent. Et après, ils vont aller dire en gagne d'un bas, eh, mais tiens, tu vois, tout à l'heure, je suis passé par ici. J'ai vu Modou et Abdou dire que demain, ils veulent faire du Mahou Saoum. Et vu que toi, tu vends du Kachar, en fait, il faut les attirer. Donc, en fait, c'est ça leur travail. Après, il y a les plateformes de gestion des annonces qui, en fait, aident les entreprises à acheter de l'espace publicitaire. Eux, on peut dire, c'est comme les coxeurs ou bien les courtiers. Donc, eux, c'est comme le coxeur, en fait, genre, qui est dans un carapit et qui va chercher des clients pour, en fait, genre, le carapit et après avoir une commission. De la même manière, dans les marchés, tu as souvent un coxeur ou bien un courtier qui va aller, en fait, genre, attirer, qui ne vend pas, mais qui va aller attirer des gens pour venir, en fait, acheter dans les stands. C'est ça, les plateformes de gestion des annonces qu'on appelle les DSP. Donc, en fait, tout cet écosystème-là intervient lorsqu'on parle de publicité digitale. Et c'est l'effort combiné de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui vous permettent, à juste titre, d'atteindre de bons objectifs lorsque vous faites de l'achat sur soit les réseaux sociaux ou bien Google ou bien Facebook, etc. Après, lorsque vous aurez le cours, vous pourrez voir de manière beaucoup plus détaillée les éléments partagés dans le cours. Maintenant, certains diront, oui, mais c'est bien, c'est important, c'est beau, la publicité digitale, tout ça, etc. Mais moi, je peux communiquer sans faire de la publicité digitale. Ou bien je peux communiquer sans pour autant acheter de l'espace publicitaire, etc. Donc, pourquoi vous devez acheter de la publicité digitale, mais aussi comment vous pouvez faire de la publicité digitale, même si vous n'avez aucune expérience en achat média digital. Mais déjà, pourquoi? En fait, si vous et moi, nous savons qu'avant, c'était existé quoi? La télévision, la radio, les affiches, les impressions. Les impressions, c'est tout ce qui est 4x3 panneaux que vous voyez dans la rue. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut toucher au plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire 17 millions de Sénégalais, il est important qu'on fasse de la télévision, il est important qu'on fasse de la radio, qu'on fasse de l'affichage pour en fait de la notoriété à grande échelle. Mais c'est souvent très cher.
on parle par exemple pour un spot de 15 à 30 secondes qui passe par exemple en télévision, vous pouvez dépasser jusqu'à 5 millions ou plus pour en fait deux fréquences de publicité, des spots dans une télévision par exemple comme la TF1. Et ce n'est pas tout le monde en fait qui a aujourd'hui 5 millions ou bien 10 millions à mettre dans la publicité traditionnelle. Et en plus, lorsque vous faites de la télé, de la radio ou bien de l'affichage, souvent, vous voulez toucher tout le monde. Donc, vous n'avez pas un certain ciblage. Par exemple, une personne, j'ai n'importe quoi, une personne qui vend des voiles, sa cible, ce sont les femmes qui veulent acheter ces voiles-là. Ce n'est pas, en fait, toute la population du Sénégal, les hommes, les trucs qui vont acheter. Après, il y a des hommes qui vont acheter pour leur femme ou bien pour leur petite amie, etc. Mais la cible principale qui va acheter le plus, ce sont les femmes. Et la publicité digitale vous permet en fait exactement de pouvoir cibler que les personnes que vous pensez sont les personnes importantes pour votre business. Et elle est également beaucoup moins coûteuse qu'une campagne dans les médias traditionnels. Mais il est important de comprendre deux notions. C'est-à-dire la notion de paid et la notion d'organique. Parce que vous allez souvent entendre cela dans ce cours-là, mais aussi lorsque vous envisagez aujourd'hui de faire une carrière dans le digital marketing, vous allez entendre ces notions de paid et organique. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très simple? On va prendre l'exemple de rappeur. Je ne sais pas s'il y a des rappeurs dans le truc. Prenons un rappeur, je suis par exemple Mr. Cash. Prenons Mr. Cash qui va par exemple aller à la place de l'Indépendance et commencer à jouer de la musique. Donc les passants apprécient la musique, ils peuvent s'arrêter, écouter, et certains pourraient même en fait genre venir te dire, ah, mais copain, mes gars, est-ce que tu as un album? En fait, écoute combien, ce que tu joues, j'aime bien, vends-moi ton album, etc. C'est du marketing organique. Parce qu'en fait, Mr. Cash, qui est sur l'avenue de la place de l'Indépendance, n'a payé rien du tout pour en fait jouer de sa musique et montrer en fait ce qu'il sait faire. Il a créé du contenu de qualité, c'est-à-dire sa musique. Il est parti à la place de l'Indépendance, ça peut être le site internet, son blog ou bien ses réseaux sociaux, et il attire naturellement des gens vers lui, donc c'est-à-dire le trafic sur le site internet, c'est-à-dire le nombre de visiteurs sur le site. Ou bien des abonnés qui vont venir sur ses pages sociales médias, ou bien des clients qui vont acheter son album. Mais si on essaie de travailler de cette manière en organique, ça va être difficile pour lui de pouvoir toucher toutes les personnes à qui il veut montrer son art ou bien son talent. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est ça qu'on appelle en fait de l'organique. Maintenant, le paid. Disons qu'aujourd'hui, il loue une salle de concert et il vend des billets pour son spectacle. Il a un show au CCS, il loue une salle de concert, il vend ses billets, etc. Mais aujourd'hui, quand je vends ces billets-là, j'ai une plus grande capacité. Déjà, je sais qu'il y aura peut-être 1000 personnes dans la salle. Je sais que sur les 1000 personnes, ce seront des jeunes. Et je sais que toutes les 1000 personnes qui ont acheté un billet vont venir ou bien vont venir accompagner. C'est ça le marketing paid. C'est-à-dire, on paye pour diffuser des annonces, ce sont les billets. Un public cible, ce sont les personnes qui sont susceptibles d'acheter le billet. Et cela peut apporter des résultats beaucoup plus rapidement et de manière plus prévisible. Mais il faut un budget, c'est-à-dire, il faut investir. Il faut dire à Facebook, eh bon, tiens, Facebook, tu sais, moi j'ai 50 000 francs CFA, tu vois combien de personnes je peux toucher avec ça. Il faut que tu pousses ma publication au maximum. Ou bien je dis à Google, bon, tu sais quoi, j'ai sorti un clip. Je veux vraiment en fait que tout YouTube soit au courant de mon clip. OK, j'ai 500 000, comment on fait? Donc je paye la plateforme afin qu'elle puisse en fait montrer à un plus grand nombre de personnes le contenu que je crée. C'est là la différence entre organique et paid. Et certainement, vous avez vu ça de nombreuses fois. Lorsque vous voyez, par exemple, une publicité ici comme Total Energy, qui en fait, vous allez voir la petite description en sponsorisé.
Ça veut dire en fait que la personne qui travaille dans cette entreprise-là a acheté un espace publicitaire sur Facebook. Et Facebook, pour montrer la différence entre l'organique et le paid, fait un petit sponsorisé pour montrer aux gens que ça, c'est une publicité sur Facebook, c'est une publicité achetée. Au contraire de l'organique, vous n'allez pas voir ceci, vous allez voir juste la publication sur le fil d'actualité de la page ou bien le compte Instagram. Donc, l'organique, c'est comme on fait jouer de la musique gratuitement et attirer naturellement une audience, alors que le paid, c'est comme vendre des billets pour un concert organisé. Donc, les deux ont leur avantage. On ne peut pas faire que du paid, on ne peut pas faire que de l'organique. Il faut toujours trouver une manière pour que les choses soient complémentaires. Et on va essayer de voir un peu. Je vais sortir de la présentation pour vous montrer en fait un peu les différents types de campagnes que certaines entreprises lancent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a... Aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Facebook Ad Library qui en fait permet justement de voir toutes les publicités que des personnalités publiques ou bien que des entreprises ou bien que des marques lancent sur les réseaux sociaux. Par exemple, on va prendre Shell Sénégal. D'accord? On voit que Shell Sénégal actuellement n'a aucune publicité en cours sur les réseaux sociaux. On a Orange. Là, vous voyez toutes les publicités qu'actuellement Orange est en train de lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez l'écran que je partage actuellement? Donc, on a, par exemple, là, si on voit Orange, ils sont en train de faire une campagne sur Love Again, sur Wido, parce qu'ils ont en fait un service de streaming qui s'appelle Wido. Ils sont en train de faire une campagne sur la Magal de Touba, Boca Kienri Bugel, une campagne sur la Tabaski, ainsi de suite. Une campagne sur Orange et moi, ainsi de suite, pour permettre aux gens de pouvoir télécharger. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir voir ce que les concurrents, ce que nos concurrents sont en train, en fait, genre de lancer et de communiquer en termes de campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quelle entreprise qui est en fait qui a une page Instagram, qui a une page Instagram ou Facebook. Par exemple, on va prendre Jumia Sénégal. Est-ce qu'ils ont des campagnes actuellement? Alors, on voit qu'aujourd'hui, Jumia, ils ont une campagne en cours sur leur première sur leur campagne anniversaire. Ils ont une campagne, une promotion en cours. Donc, on voit toutes les publicités que Jumia est en train de faire. Donc, lorsqu'on a, par exemple, parmi vous, lorsque vous avez des sites en ligne ou bien lorsque vous faites de la vente, lorsque vous faites de la vente sur Facebook, sur WhatsApp, etc., vous pouvez espionner vos concurrents ou bien d'autres entreprises qui sont dans le même secteur que vous et voir, en fait, comment ils font leur publicité. Et comment ils vendent et quel est le contenu qu'ils utilisent. Et de cette manière-là, vous pourrez voir, en fait, vous aussi, comment vous pouvez faire pour avoir de meilleurs résultats ou bien d'aussi bons résultats que ces entreprises-là. Donc, on retourne à la présentation. Donc, maintenant qu'on a vu tout cet écosystème sur la publicité digitale, on a vu les acteurs qui interviennent, on a vu également ce qui était le paid et l'organique. Avant de faire quoi que ce soit en publicité digitale, c'est-à-dire avant de lancer n'importe quel type de campagne, il est important de faire ce qu'on appelle un plan média. Le plan média, c'est simple. C'est en fait, je fais un exercice pour anticiper les performances, le type de campagne, le type de canal et que je veux faire par rapport à tel truc. Disons, aujourd'hui, je veux lancer une campagne pour on est en été, d'accord? On est au mois de juin, juillet, août, c'est l'été, c'est la plage, etc. Disons que vous êtes un vendeur de chaussures et que vous voulez, en fait, genre, faire une campagne pendant l'été pour augmenter la vente de vos paires de chaussures.
pour permettre aux jeunes de pouvoir acheter vos chaussures pour justement aller faire du sport, aller faire du training, aller à la corniche, faire du training, etc. Vous devez faire un plan média. Le plan média, c'est simple. Il faut mettre ses objectifs. Il faut préciser les cibles. Il faut mettre les canaux. Il faut mettre son budget. Il faut mettre les messages et les visuels qu'on va utiliser. Il faut faire un calendrier, parce qu'il y a eu digital pendant un an ou deux ans, il faut une durée. Et il faut mettre aussi les mesures et les ajustements. Parce que l'avantage qu'on a en fait aujourd'hui du digital, c'est que tout se mesure. Tout se mesure. Donc, si on prend un exemple par rapport à ce premier média-là, prenons l'exemple de Ngendemba. Donc, Ngendemba, c'est un vendeur de chaussures de sport à Corabane. D'accord? Lui, son objectif, c'est que pendant cet été, il veut vraiment vendre. Il a des chaussures venant qu'il a appris dans une friperie en Europe, etc., qu'il a ramené et qu'il a lavé, qu'il a ciré et qu'il veut vendre à des jeunes pendant la période de l'été. D'accord? Donc, il faut en fait faire, il faut faire son plan média. Et le plan média, donc, disons que son objectif, c'est quoi? C'est augmenter les ventes d'accessoires de sport. Simple. C'est pas faire connaître la marque, etc. Il n'y a pas de marque. Il y a une boutique à Corabane. Même pas une boutique, une petite cantine de 3 mètres carrés, sur 3, de 3 mètres sur 3 mètres. D'accord? Sa cible, ce sont les jeunes adultes, hommes et femmes, âgés de 18 à 30 ans et qui s'intéressent au fitness, au sport, au running, etc. C'est les canaux qu'il veut choisir, c'est Facebook et Instagram, où il peut poster des photos de produits et les témoignages de ses clients et les témoignages de ses clients actuels, à qui il a déjà vendu des chaussures. Il va faire sur Google Ads pour toucher les personnes qui recherchent pendant cette période-là des accessoires de sport sur Google, et il va faire du YouTube où il va peut-être présenter des vidéos de démonstration de ses accessoires de sport, de ses chaussures, etc. Il a prévu d'investir 1 million sur un mois et il a déjà conçu des messages pour améliorer votre séance d'entraînement avec nos accessoires de sport de qualité, et il va rajouter des photos, des vidéos, des produits, et il va en fait faire son calendrier. Les annonces sur Instagram, il va les diffuser toute la journée, c'est-à-dire de 8h jusqu'à minuit. Il va laisser les annonces continuer. Les annonces sur Google Search, Google Search, c'est le moteur de recherche Google, il va les faire lorsqu'en fait, les gens vont rechercher accessoires de sport à Dakar ou bien chaussures Nike sport à Dakar. Ce que je viens de dire, ce sont des mots-clés. Les gens utilisent des mots-clés pour faire des recherches sur Google. Au Sénégal, il y a 3 750 000 utilisateurs qui utilisent le moteur de recherche Google par mois. Maintenant, à travers l'outil de Google AdWords, que vous verrez dans ce cours tout en bas, vous pouvez en fait voir combien de personnes au Sénégal ou à Dakar ou à Saint-Louis, à Durban, ou bien dans d'autres régions, dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Bénin, etc., recherchent des chaussures sur le moteur de recherche. Google va vous dire, eh ben, tiens, il y a 25 000 personnes ou bien il y a 50 000 personnes qui recherchent ça par mois. D'ici entre janvier et juin, il y a eu 30% d'évolution sur ce mot-clé, etc. Et du coup, je dis à Google, eh ben, tiens, vends-moi ces mots-clés. Je veux que chaque fois que Abdou recherche sur Google chaussures de sport pour l'été, que ce soit mon annonce publicitaire qui apparaît. D'accord? Et également sur les vidéos sur YouTube qui vont être diffusées en début ou bien un millier de vidéos. Par exemple, lorsque je vais regarder ma série d'échéance épisode 50 ou bien épisode 25, etc., quand les annonces de Marodi qui sont intégrées dans la série passent, moi, je veux que ma vidéo
apparaisse, que ma vidéo de 15 secondes ou bien de 30 secondes ou bien de 45 secondes apparaisse où je dis aux gens que je vends des chaussures. Et je veux en fait avoir plus de vues sur ça. Donc en fait, c'est ça on prend média. C'est ça on prend média. Et il est important que vous fassiez ce média lorsque vous voulez lancer une campagne de publicité digitale. On va rapidement voir à quoi ressemblent ces plateformes-là en vidéo. Donc, je vais partager mon écran. Et après, je pense qu'on pourra aller prendre les questions dans le menu questions-réponses pour vous répondre, pour ne pas que l'on nous file entre les doigts. Donc, il y a deux plateformes que j'ai traitées dans ce cours. Google AdWords et les gestionnaires de publicité Facebook. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres plateformes. Mais les plateformes les plus utilisées au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, c'est Google Ads et Facebook Ads. Ce sont des plateformes qui sont indispensables pour lancer des campagnes. Quand vous utilisez Google Ads, vous pouvez faire en sorte que votre publicité apparaisse sur Gmail, sur YouTube, sur Google Search et sur tous les sites d'actualité qui proposent de la publicité et toutes les applications mobiles qui sont dans le Play Store ou bien dans l'App Store. Le gestionnaire de publicité permet lui de lancer des campagnes sur tous les domaines de Meta. Meta, pour les gens qui ne savent pas, c'est la nouvelle application de Facebook, c'est la nouvelle maison mère de Facebook. Donc Meta, c'est Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Donc si vous utilisez le gestionnaire de publicité Facebook, vous pouvez en fait lancer les campagnes sur toutes ces plateformes qui appartiennent à Meta. Mais avant tout, il est important de créer un compte publicitaire. Ce compte publicitaire-là, c'est comme votre compte bancaire. C'est là-bas où vous mettez de l'argent pour pouvoir acheter de la publicité, pour pouvoir acheter en ligne. Si c'est pour les gestionnaires de publicité Facebook, il vous faut soit une carte bancaire liée à un compte bancaire ou bien une carte prépayée, soit celle de Free, la carte virtuelle, soit celle de UBA, soit celle de trucs pour ne pas faire de la publicité. Après, il y a, pour Google, il faut forcément avoir une carte bancaire qui est liée à un compte bancaire existant parce que c'est une chose qu'ils ont faite pour éviter les fraudes. Mais avoir un compte seul ne suffit pas. Il faut comprendre aussi les modes d'achat avec lesquels on achète sur ces plateformes-là. Et ces modes d'achat également, nous les avons expliqués dans ce cours de manière assez simple pour ne pas que ce soit trop technique. Donc, je vais, sans trop tarder, donc partager un peu mon écran pour vous montrer à quoi ressemble un gestionnaire de publicité sur Facebook. Et chaque personne qui a un compte Facebook a accès à un gestionnaire de publicité. Qui peut avoir un compte publicitaire qu'il peut créer. Donc, ça, c'est juste un truc, attendez, voilà. Donc, ça, c'est le gestionnaire de publicité de, aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille. D'accord? C'est sur ça, quand vous entrez sur votre gestionnaire de publicité adsmanager.facebook.com ou bien facebook.com/adsmanager, comme mentionné ici, c'est comme ça, en fait, que votre gestionnaire de publicité va apparaître. Donc, vous voyez déjà que j'ai des campagnes en cours ici. Et aujourd'hui, nous, vu que nous achetions énormément, donc il y a presque 100 000 euros dépensés en publicité digitale. Donc ici, vous voyez le total dépensé. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'investir autant. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la publicité digitale n'est pas, le budget n'est pas excessivement cher. Vous pouvez mettre 50 euros, je pense c'est 30 000 francs CFA. Vous pouvez mettre même 10 000 francs CFA, vous pouvez mettre même 5 000 pour booster une publication. Donc en fait, si vous dans le cours, lorsque vous regarderez le cours, vous verrez en fait qu'il y a une partie où on vous aide à pouvoir en fait définir votre budget. Donc, le gestionnaire de publicité apparaît comme ça. Donc, ici, il y a déjà des campagnes. Lorsque vous cliquez sur « Créer une campagne », Facebook vous propose un assistant de création de campagne.
avec divers objectifs. Notoriété, pour en fait permettre à plus de personnes de voir votre publication ou votre campagne, pour permettre à votre entreprise d'être connue, ou bien pour permettre à votre vidéo d'être vue, ou bien vous permettre à votre boutique physique, que les gens soient au courant de votre boutique physique. En objectif de trafic, cela, c'est lorsque vous avez un site Internet et que vous voulez que les gens viennent en masse sur votre site Internet, soit pour lire vos articles, parce que vous êtes un site d'actualité, soit pour acheter, parce que vous êtes un site e-commerce, soit pour remplir un formulaire, parce que vous êtes dans le B2B ou dans la logistique ou autre, et que vous voulez des leads, des prospects. Après, ou bien, si vous voulez également renvoyer des gens vers WhatsApp, vous avez un compte WhatsApp Business dans lequel vous faites votre activité commerciale et vous voulez justement ramener les gens vers WhatsApp Business. Là aussi, Facebook vous permet de lancer ce qu'on appelle une campagne trafic. Trafic, c'est en fait c'est une redirection vers des gens, vers une destination. Ce sont le nombre de personnes qui viennent vers une destination que vous avez choisie. Et ces destinations, ça peut être Messenger, ça peut être WhatsApp, ça peut être un site, etc. Après, il y a l'objectif d'interaction, parce que vous voulez que les gens fassent des commentaires, ou bien que les gens aiment votre page, ou bien pour avoir plus de likes sur votre page Facebook, là où vous faites une campagne sur un objectif d'interaction. Ou bien, vous voulez avoir des prospects. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire un formulaire pour que des gens mettent leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur email, leur nom d'entreprise, parce que vous voulez cette base de données-là pour après faire peut-être du phoning, ou bien du calling, ou bien envoyer des SMS. Là, vous faites une campagne de prospect et vous créez un formulaire sur Facebook. Et ce formulaire-là va être visible sur les réseaux sociaux et les gens vont remplir automatiquement avec leurs informations sur Facebook. Ou bien, vous voulez que les gens vous appellent au téléphone. Vous voulez que le téléphone sonne. Par exemple, quand vous travaillez dans une entreprise et que vos directeurs commerciaux ou marketeurs vous disent « Mais gars, on n'entend pas le téléphone sonner depuis là, on communique, etc. » C'est comme on n'est pas connu. Facebook vous permet de faire une campagne avec une redirection vers le numéro de téléphone de votre, le numéro commercial de votre entreprise où vous allez recevoir des appels téléphoniques. Mais, il est important, avant de recevoir ces appels téléphoniques-là, de vous assurer qu'il y a une personne derrière pour répondre ou bien gérer le téléphone. Il y a aussi une campagne pour promouvoir une application mobile. Si vous êtes un développeur ou bien une personne qui a une application mobile, Facebook vous permet de lancer des campagnes d'installation d'applications mobiles ou bien d'événements d'applications. Ça veut dire quoi, les événements d'applications? C'est lorsque la personne a déjà installé l'application mobile et que peut-être dans l'application mobile, la personne peut faire un virement ou bien un paiement que vous faites en sorte de déclencher cet événement-là. Ça s'appelle événement. Toutes les actions que les personnes font sur une plateforme, que ce soit site Internet ou bien application mobile, événement. Donc, Facebook vous permet de créer des événements sur votre application mobile. Après, il y a les campagnes de vente. Lorsque vous avez une boutique Facebook ou bien une boutique sur WhatsApp Business, ou bien une boutique sur Instagram. Aujourd'hui, au Sénégal, les boutiques sur Instagram ne sont plus disponibles. Les boutiques sur Facebook également sont en train d'être éliminées, malheureusement. En tout cas, au fur et à mesure, c'est beaucoup de pages n'ont plus de boutique Facebook. Mais WhatsApp, vous pouvez avoir des boutiques, avoir un catalogue sur votre WhatsApp Business, et vous voulez que les gens viennent acheter les produits qui sont dans votre catalogue WhatsApp Business, vous pouvez faire une campagne de vente. Donc, voici les types de campagnes que Facebook propose. Dans le corps, dans le détail du cours, il y a une vidéo qui va être enregistrée où je vais faire le parcours de chaque objectif et vous montrer aussi comment lancer une campagne pour chaque objectif pour un débutant. Et comme ça, vous pourrez en fait savoir justement y arriver. Maintenant qu'on a vu ça, allons voir chez Google, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, Google aussi a sa plateforme. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant que nous sommes des utilisateurs. Nous donnons ce qu'on appelle des signaux à toutes ces plateformes.
Même le fait de mettre un adore ou bien un haha sur une publication Facebook est un signal à Facebook pour lui dire « Ah mais cette publication-là a beaucoup d'intérêt. » Ou bien, Maktar aime beaucoup ce type de contenu. Donc, Facebook a une double lecture. Une première lecture pour dire que cette publication-là plaît, donc je vais faire en sorte que mon algorithme mette en avant la publication de la page de l'université cher Hamilton. Ou bien, Abdou ou Modou a mis un adore ou bien un haha, ou bien un greu, il va dire, ah, Abdou n'aime pas ce genre de publication. Donc, il faut que dans le fichage que j'ai mis sur Abdou, depuis qu'il a créé son compte Facebook, il faut que j'enlève ce type de centre d'intérêt. Ça ne l'intéresse pas. Et vu que toutes ces données-là sont utilisées par Facebook Ads et par Google. Donc, sur Google, vu qu'on a tous un compte Gmail, un compte Google qui va partout, qui va dans des sites en ligne, qui va sur YouTube, qui va en navigation privée, qui va dans plusieurs autres choses, Google dit, OK, gars, je te connais. Et je vais te faire en sorte de vendre, entre guillemets, tes données pour te proposer de la publicité. Donc, comment apparaît Google Ads? Donc là encore, je vais présenter l'interface Google Ads que nous utilisons, nous, aujourd'hui, à l'agence Caractère. Donc, elle apparaît comme ça. Elle est beaucoup plus complexe que celle de Facebook. Celle de Facebook est très facile à comprendre. D'accord? Très facile à comprendre, celle de Facebook, même pour un débutant. Mais celle de Google a parfois, on nécessite beaucoup plus de compréhension et de tact. De toute façon, il y a une vidéo que je suis en train de faire pour enregistrer tout de A à Z pour lancer une campagne sur Google à partir de votre téléphone. Parce que je me mets dans la boîte de votre téléphone, mais aussi à partir de votre ordinateur. Parce que je me dis que pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, peut-être qu'ils veulent le faire sur le téléphone portable, Android ou Apple. Donc, on pourra également voir comment on pourra aussi lancer la campagne via l'application Google AdWords qui est sur le téléphone et aussi l'application gestionnaire de publicité qui est sur votre téléphone Android ou bien Apple. Donc, Google nécessite beaucoup plus de compréhension parce que l'interface est plus complexe. Mais dans l'idée générale, okay, c'est presque la même chose. Donc, ici, vous voyez notre compte, sur un de nos comptes, donc 3 millions de clics, etc. Ça, bien sûr, ce sont des choses qu'on a eu à faire. Donc, nous, on investit beaucoup en trucs pour Orange, pour Samsung et autres. Donc, il y a 120 000 $ d'investissement, etc. Bref, donc, disons par exemple, on lance une nouvelle campagne. On clique sur une nouvelle campagne et il y a une interface qui va apparaître. Abracadabra, ta-ta-ta. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut d'abord créer un compte publicitaire. Nous en avons beaucoup. Donc, disons, je vais prendre Free, Sénégal. D'accord? Quels sont les objectifs qu'on nous propose? On nous propose des objectifs de vente. Google me dit, bon, gars, tu sais, tu peux générer des ventes hein, via une application par téléphone ou un magasin. Hein. Voilà que je te propose ça. Mais moi, je ne suis pas intéressé par ça pour le moment. Ce que je veux, par exemple, c'est que ma marque soit connue. Parce que justement, comment je peux vendre, certes, mais je veux aussi communiquer pour ma marque. Parce que beaucoup, il faut comprendre une chose, beaucoup de gens n'ont pas de marque. Ils ont des entreprises, comme ils ont des business, ils veulent vendre. Par exemple, la personne qui a, n'importe quoi, hein, Gendemba qui a sa cantine à Corabane, il n'y a pas de marque. C'est un revendeur, il vend. Mais Free, c'est une marque. La marque Free, elle a une identité, elle a un ADN, elle a une manière de communiquer, elle a une manière de se comporter, entre guillemets, etc., etc. Donc, je veux que les gens, dans leur tête, dès qu'ils entendent passe Internet, ils pensent Free. OK. Donc, je vais faire une campagne de couverture et de notoriété de marque pour ce genre de campagne. J'ai Angle Carnot, rue Ngalandoujou, Angle Vincent, et je veux que toutes les personnes qui passent à côté ou bien qui vivent à Dakar Plateau, viennent dans mon magasin. OK, Google me dit, t'inquiète, gars, j'ai ce qu'il te faut. Et je fais une campagne de promotion et visite un magasin. C'est ce qu'on appelle dans notre langage technique à nous, une campagne de géofencing. Donc, je mets les coordonnées GPS et adresse de mon magasin
Et j'ai dit, Google, charge-toi du reste. Donc, je fais une campagne, je mets ma cible, je mets mon budget, je mets mes visuels, mes formats, etc., etc. Et Google se charge du reste. Après, j'ai dit, bon, maintenant que ma marque est connue, je veux quand même que, quand les gens, qu'il y ait beaucoup de plus de considération envers ma marque, quoi. Parce que moi, j'ai une très belle marque. Ce que je vends, les gens ne le vendent pas. Ce que j'ai, les autres ne vendent pas, etc., etc., etc. OK. On va faire une campagne de considération de, ta, de ton produit ou bien de ta marque. Comment ça marche? On va mettre d'autres produits, d'autres services que tu vends, que ce soit du free money, que ce soit du free business avec, avec un truc d'hébergement, ou bien que ce soit une offre jeune que je veux que freelance. Donc, tout ça, mettre dans la moulinette et dire à Google, fais de la magie. Google ne fait pas de la magie. Google utilise des outils, des données, des analyses, des enchères, etc. Et c'est là où, justement, ça devient un peu technique et où il faut une meilleure compréhension de ça. Mais j'espère que dans ce cours, que nous arriverons à vous permettre de comprendre tout ça. Donc, je pense que bon, nous arrivons à la fin du webinaire et je veux pas, je veux vraiment répondre à des questions et qu'on discute et qu'on échange. Donc, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On verra avec... on pourra organiser, j'espère, un autre webinaire, j'espère. Moi, ça me fait plaisir d'échanger du cours au fur et à mesure. Et du coup, on pourra justement revenir. Mais en tout cas, si vous maîtrisez tout ça, là après, vous pourrez maintenant justement commencer à lancer enfin des campagnes. Dans le cours, on est revenu sur les modes d'achat aussi. C'est quoi? CPM, CPC, CPV, CPA. Parce qu'il y a des modes d'achat, évidemment. Il y a aussi les formats, c'est quoi le display, c'est quoi le display, c'est quoi le format bannier Rich Media. Par exemple, je vous montre un peu le format bannier Rich Media, à quoi ça ressemble. Ça, nous l'avions fait pour Presea Côte d'Ivoire. Nous avons également fait récemment pour Presea Sénégal. Voilà. Ça, c'est une affiche, c'est une bannière Rich Media, c'est une bannière animée qui apparaît sur un site internet. Vous voyez, lorsque vous faites comme ça, vous avez l'impression que votre visuel bouge, que l'effet est animé. D'accord? Donc, ça s'appelle un parallaxe. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez en fait genre faire dans une campagne de publicité digitale. Voilà. On voit aussi, il y a les InRead, il y a plusieurs formats. Il y a le format qui prend tout le format événementiel, le format collection, les carousels Facebook, le fait qu'on a une excellente expérience, ça aussi c'est sur Facebook. Donc, on reviendra sur tout ça. Et moi, je pense que je vais rester disponible pour répondre aux questions qu'on a actuellement, échanger. Et voilà. So, c'est une boue, je pense qu'on peut aller à la séance des questions et réponses. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Martha, pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Maintenant, on va avoir les questions les plus pertinentes parce que déjà, on est à 13h31. Moi, ça ne me dérange pas d'aller jusqu'à 14h. Hein? Ah, il y a un autre webinaire à 14h. Ah, OK, OK. D'accord. Bon, OK, ça marche. Donc, 13h45, alors. Oui. Let's go. OK. C'est bon. Ici, il y a une question de Céline qui dit, j'aimerais savoir sur quelles données factuelles on peut se baser. Je vous entends mal, Céline. Ah, Mata, c'est oui. Bon. Oui, oui, là, je suis bien. Les questions sont sur la partie Q et R. OK, OK, d'accord. Attends, je vais sur les questions. D'accord. Voilà. Je veux savoir sur quelles données factuelles on peut se baser pour dire que la publicité digitale a un impact sur les produits vendus de l'entreprise. Excellente question de Serine Aou. Alors, Serine, lorsqu'on mesure la performance d'une publicité digitale, il y a trois mesures qu'on peut faire. Le taux de conversion, le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement, et le ROAS, le retour sur l'investissement publicitaire. Dans le cours, je suis revenu sur ça, dans la partie mesure et coût. En fait,
On va prendre un exemple. Je pense que c'est plus simple d'expliquer par un exemple. Disons que nous, aujourd'hui, on a toujours notre Ngandemba, qui est le vendeur à Corban. OK? Ngandemba a pris 700 000 francs CFA qu'il a mis dans une campagne publicitaire sur Facebook. À la suite de cette campagne, il s'est rendu compte qu'il a réalisé 50 ventes. Et chaque vente lui a rapporté 10 000 francs CFA. D'accord? Mais 10 000 francs CFA, c'est son bénéfice net. C'est-à-dire, quand il a enlevé le coût du livreur, quand il a enlevé les frais de douane, quand il a enlevé tout ça, toutes les taxes, les impôts et tout ça, lui, il a un bénéfice de 10 000 francs CFA sur le produit vendu. Maintenant, on va calculer son retour sur investissement. D'accord? Il y a une formule. Le retour sur investissement, c'est en fait, nous allons d'abord enlever le coût de l'investissement, c'est-à-dire les 100 000 francs qu'il a mis pour sa campagne publicitaire. D'accord? Et on va l'enlever sur, en fait, le gain qu'il a eu de cet investissement, c'est-à-dire le bénéfice réalisé. Ensuite, nous divisons ce montant par le coût de l'investissement et on multiplie par 100. Un truc plus mathématique, qu'est-ce que ça donne? Disons qu'il a fait 50 ventes et il a gagné 10 000 francs CFA par vente. D'accord? On enlèverait 100 000 francs qu'il a dépensé en publicité. On divise par les 100 000 francs dépensés en publicité fois 100. Cela donne un retour sur investissement de 400%. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, son chiffre d'affaires a augmenté, son bénéfice a augmenté et sa campagne a marché. Parce qu'il a eu un retour sur investissement positif et pas négatif. Il n'a pas eu moins, il a eu plus. Et on peut aussi mesurer le ROAS. D'accord? Aujourd'hui, un retour sur investissement de 400%, ça veut dire que pour chaque 1 franc CFA qu'il a dépensé, il a gagné 4 francs CFA. Ça veut dire qu'il a multiplié par 4 son bénéfice. Donc, comme ça, on peut mesurer carrément l'impact. On peut aussi mesurer le ROAS, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le retour sur l'investissement publicitaire. Et là, la différence du ROI, en fait, il se concentre uniquement sur les revenus générés et le coût de la publicité. Et souvent, les gens mesurent sur le ROAS. Pour surtout les gens qui ne maîtrisent pas, en fait, carrément, totalement la chaîne de valeur de leur business, ils mesurent le ROAS. Mais pour les gens qui savent tout leur business, c'est-à-dire j'ai acheté en Chine à X francs, j'ai ramené, j'ai payé un GP, tac, j'ai ramené, c'est passé en bateau ou bien en avion, j'ai ramené, après j'ai investi, tac, tac, tac. Pour les gens de personnes très, de business très organisé comme ça, ils peuvent mesurer le ROI. Sinon, le ROAS aussi nous permet de mesurer l'impact de cette campagne. Prenons encore l'exemple de Ngandemba, d'accord? Disons qu'il a dépensé 100 000 francs CFA sur Facebook. Et il a eu 50 ventes. Et chaque vente lui a rapporté 10 000 francs CFA. Donc, pour calculer le ROAS, on prend en fait les ventes multipliées par le bénéfice net par vente divisé par l'investissement publicitaire. Cela donne 50 ventes fois 10 000 francs CFA divisé par 100 000 francs CFA dépensés en publicité, ce qui donne un ROAS de 500 000 sur 100 000, 5. Un ROAS de 5, c'est excellent. C'est un nombre. C'est-à-dire que lorsque le ROAS il est supérieur à 4.1 ou bien entre 4.1 et 5, ça veut dire que vous avez fait un bon chiffre d'affaires, que vous avez fait une bonne campagne. D'accord? On peut aussi mesurer le taux de conversion pour voir est-ce que toujours la campagne a bien marché. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est le pourcentage de personnes qui accomplissent une action, par exemple, qui font un achat. Moi, je vends. Je veux vendre. OK? Du coup, on peut voir le pourcentage de ventes qu'il y a eu par rapport au nombre total de personnes qui ont vu notre annonce ou bien qui ont visité notre site après l'annonce. Donc, pour le calculer aussi, il y a une méthode de calcul. Donc, supposons qu'on gagne des bas à dépenser 100 000 francs en publicité. D'accord? Il a investi 100 000 francs. Et il a eu 10 000 impressions publicitaires. Pour rappel, dans ce cours, il y a un REXIC également qui est attaché pour que vous compreniez tous les termes techniques qu'on va parler dans ce cours. Impression, ça veut dire le nombre total de fois
où l'annonce, où la publication, où la publicité a été vue. C'est différent du reach. Le reach ou la portée. La portée, c'est le nombre de personnes uniques que j'ai touchées. Par exemple, aujourd'hui, je fais ce webinaire, il y a 247 participants. La portée de ma voix, c'est 247 participants. Mais parmi ces 247 participants, il y a des gens qui m'ont entendu une fois, il y a d'autres qui sont déconnectés, qui sont rentrés, qui m'ont entendu deux fois. Donc, le nombre d'impressions, c'est la portée multipliée par la fréquence de ces nombres de personnes qui ont entendu ma voix. C'est ça la différence. Donc, disons que quand il a investi 100 000 francs CFA, il a eu 10 000 impressions. C'est-à-dire que sa publicité a été vue 10 000 fois. Si c'est parmi ces, dans ces 10 000 personnes touchées-là, si 500 personnes ont cliqué sur l'annonce, disons qu'il y a 50 parmi eux qui ont acheté. Donc, comment on calcule le taux de conversion? On prend le nombre d'achats divisé par le nombre de clics fois 100. Ce qui donne taux de conversion, 5, dans le cas de cet exemple, 50 achats divisé par 500 clics fois 100, donc 10%. Donc, ça veut dire qu'on a eu un taux de conversion de 10%. Et toutes les personnes qui ont cliqué sur l'annonce, il n'y a que 10% qui ont acheté. Et est-ce que ça a augmenté mon chiffre d'affaires ou bénéfice ou pas? En ce moment, vous pouvez dire ma campagne a été un flop ou bien ma campagne a été un top. Voilà. Quels sont les points négatifs de la publicité? Alors, les points négatifs de la publicité, de manière générale, si on voit la chose sur un point sociologique, la publicité à la télé, le fait qu'on pousse les gens à consommer, pour une entreprise, la publicité n'a pas d'effet négatif. Pour une entreprise, la publicité n'a pas d'effet négatif. Mais c'est le contexte dans lequel la publicité elle est faite qui peut être négatif pour une marque. Je donne un exemple. Récemment, on a eu une situation très difficile au Sénégal au début du mois de juin, avec les émeutes, les manifestations, etc. Et les audiences sur Internet, on les a coupé l'Internet, il y a eu des restrictions, etc. Ils n'étaient pas très contents, ils ne pensaient pas réellement à festoyer, ils n'étaient pas très heureux, etc., etc. Donc, si une marque avait fait une publicité pendant cette période sur Instagram ou Facebook, ses résultats seraient négatifs. Négatifs pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook et d'Instagram, et même de Twitter, tout était autour du Free Sénégal, le mouvement que les internautes ont créé pour un peu montrer les exactions, ce genre de choses. Donc, si une marque avait fait une campagne de publicité pendant cette période, déjà, elle n'aurait pas touché ses cibles parce que Internet était restreint. Ensuite, si elle avait malgré tout pu toucher certaines cibles, les gens ne verraient pas la publicité parce qu'il y avait des centaines et des milliers de contenus autour des manifestations. Donc, ça allait fondre dans le feed. Donc, à ce moment-là, c'est négatif pour la marque de en fait, lancer une campagne de publicité dans ce contexte-là. Mais de manière générale, la publicité digitale n'a que des points positifs pour la marque. L'autre point négatif, c'est lorsque, par exemple, vous avez une marque, disons, vous êtes une entreprise qui fait de la vente de voiles ou bien de la vente de Coran. Vous avez fait votre campagne de publicité. Negeteyo, Google a envoyé votre publicité dans un site pornographique. Et ça, en fait, la publicité ou bien votre publicité apparaît dans le site de OneXBet. Le danger, c'est que votre marque soit en fait subisse les sentiments que les gens ont envers cette plateforme pornographique-là ou bien cette plateforme de OneXBet-là et que ces mêmes sentiments soient affiliés à votre marque. C'est pourquoi, lorsqu'on lance une campagne sur Google, il y a ce qu'on appelle le whitelisting, c'est-à-dire bloquer certains sites auxquels vous ne voulez pas que votre publicité apparaisse. Donc ça, c'est possible également de régler ça au moment de lancer une campagne de publicité. Est-ce qu'on peut avoir le module emailing? Bonjour, surtout. Bonjour, le service est aujourd'hui. Comment faire? Est-ce que les agents publicitaires utilisent-ils les réseaux publicitaires? Si oui, qu'est-ce qui les différencie? Très bonne question. Oui, les agences publicitaires utilisent aussi les réseaux publicitaires. Les réseaux publicitaires peuvent également travailler avec des agents publicitaires. En fait, c'est très complémentaire. Je donne un exemple. Tout fait. Aujourd'hui, moi, je travaille dans une agence
de publicité, une agence de communication intégrée, qui s'appelle Agence Caractère. Et dans cette agence-là, je travaille avec des réseaux publicitaires, comme les réseaux publicitaires de Google, les réseaux publicitaires de Facebook, comme la régie publicitaire Google AdSense, qui est, ou bien la régie publicitaire de Celeweb, ou bien de l'ERL, etc. Je travaille avec eux pour permettre à mes clients, à mes entreprises, de mieux acheter de la publicité, de mieux acheter de l'espace publicitaire. De la même manière, les réseaux publicitaires peuvent également faire des partenariats avec les agences pour leur dire, mes gars, envoyez vers nous vos clients, quoi. On va faire un partenariat, blablabla, etc. Ça aussi, ça existe. Par exemple, une plateforme comme Adafree, c'est un réseau, c'est une régie publicitaire, Adafree. Adafree, aujourd'hui, travaille avec les agences publicitaires pour que les clients des agences publicitaires viennent acheter de l'espace en passant par le réseau publicitaire. Donc, en fait, il y a une complémentarité entre les deux postes, entre les deux services. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment procéder pour payer une publicité sur le digital? Comme je disais tout à l'heure, Hadi Anne, la publicité digitale, avant tout, il faut avoir un compte publicitaire. Il y a une vidéo que j'ai faite, que je vais mettre dans le drive de ce module, où je reviens plus en détail sur comment créer son compte publicitaire. Mais normalement, toute personne qui a un compte Facebook peut créer un compte publicitaire et peut avoir un compte publicitaire. D'habitude même, vous avez un compte publicitaire par défaut. Mais il est par défaut et pas actif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de moyen de paiement. Et le moyen de paiement, il faut une carte. Et cette carte, sur Facebook, ça va être une carte prépayée, soit une carte prépayée de Free Sénégal, qui ont une carte virtuelle et une carte physique, soit la carte prépayée de UBI Sénégal, soit la carte prépayée de la BOA, ou bien l'ancienne carte prépayée de la Poste. Vous devez avoir une carte prépayée. Ou vous allez recharger de l'argent pour acheter de la publicité. Si c'est sur Google, vous devez avoir un compte bancaire, forcément, pour utiliser la carte Visa de votre compte bancaire pour acheter de la publicité. Ou bien pour payer de la publicité. Quels sont les avantages de la publicité digitale? Oui? Je pense qu'on est arrivé à l'heure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Oui, je reçois. Alors, vous m'entendez? Je disais qu'on est arrivé à 13h45. Oui. C'est très intéressant, mais on est obligé de s'arrêter là. OK, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous pouvez donner mon... Bon, si jamais il y a des questions encore, je peux répondre par mail. Mm-hmm. Vous avez mon mail. Vous pouvez voir, pour le partager aux étudiants afin qu'ils puissent poser des questions sans problème. Il n'y a pas de souci. Je vais juste répondre. Dernière question, est-ce que c'est sûr de payer avec sa carte bancaire pour une publicité Facebook? Pour une publicité Facebook, je suggère d'avoir une carte prépayée et ou bien même une carte prépayée linkée à son compte PayPal. Comme ça, vous n'aurez pas à avoir de débit à tort ou bien ce genre de choses. Et c'est plus sûr. Si jamais aujourd'hui on pirate aussi votre compte, comme ça, au moins vous avez juste la carte prépayée. Bon, de toute façon, CNM vous partagera mon mail et Inch'Allah, si jamais vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Merci aux apprenants d'être présents aujourd'hui. Pour les groupes WhatsApp, je répète, sur vos mails, vous avez reçu des mails, les premiers mails de Force N. Il y a les liens pour intégrer les groupes WhatsApp. Donc, s'il vous plaît, allez-y directement et intégrez les groupes. Je ne peux pas vous ajouter un à un. À très bientôt alors. Au revoir.